Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique que nous avons lancé ici chez nous à Sepel Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez décidé d'être devant vos petits écrans pour nous regarder. Nous, quand on commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Ce que j'ai dit ici n'engage que M. Perrault-Louara. Je suis citoyen d'un pays. La constitution de mon pays consacre la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Et ce pays s'appelle même République démocratique du Congo. Donc, selon les principes des démocraties, on ne peut pas m'imposer une vision, une certaine ligne. J'ai donc la liberté de ressentir les choses, d'avoir des opinions, dès lors que ces opinions-là ne vont pas enfreindre la loi, dès lors que ces opinions-là ne violent pas le droit des autres. Je suis en droit de les dire. Malheureusement, ici, les gens n'aiment pas entendre les opinions des autres. On a instauré un régime tyrannique, un régime de terreur qui est basé sur les applaudissements. Tout celui ou celle qui n'applaudit pas est immédiatement catalogué, immédiatement, je ne sais pas moi. Et rappelez-vous que les expressions les plus importantes qu'ils trouvent dans tout ça, ils disent soit tu es haineux, soit tu n'es pas congolais. Bon, ça devient tellement coutumier que ça ne nous embête plus, ça ne nous dérange plus. Nous commençons à nous dire Bazalaka na bango kaka bongo, to mesana na bango, musana na bango yango wana. Donc moi, ça me dit plus absolument plus rien. On regarde avec beaucoup de détresse. Donc, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, où nous venons, nous prenons des questions d'actualité, nous disons, voici ce qui se passe, voici le thème d'actualité, et voici ce que nous, moi, Claude Perrault-Louara, j'en pense. Ce magazine est donc un magazine d'éditorial, et un éditorial en journalisme, tout simplement, c'est cette sorte de genre journalistique dans lequel le journaliste monte au créneau, où lui ou sa rédaction, il prend position, il donne son point de vue sur beaucoup de choses. Et comme c'est un domaine des points de vue, je prends toujours des précautions en vous disant, mes frères, ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Certains de mes téléspectateurs me les reprochent, mais moi-même, je ne peux pas prêcher la démocratie, je ne peux pas dire que je crois en la démocratie et venir laisser un pan obscur, ni dans vos têtes, ni dans ma tête, en croyant que ce que j'ai dit ici doit créer l'unanimité. Pas du tout. Je n'ai pas le monopole du savoir. Je dis les choses comme je les sens, comme je le trouve. Si vous voyez de la même manière que moi, tant mieux. Si vous ne voyez pas de la même manière que moi, tant mieux aussi. Parce que moi, j'accepte la contradiction. Parce que je suis convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit toujours par jaillir. Merci à vous pour la confiance extrême que vous n'arrêtez de nous accorder. Je vous dis, faire le travail que nous faisons dans les conditions dans lesquelles nous les faisons, dans le contexte où nous sommes, dans les difficultés qui sont les nôtres, mes chers frères, je vous dis, si j'étais à votre place, je tirerais mon chapeau. Mais à ma place, la boussole, la lumière qui éclaire un peu ces ponts noirs, des difficultés, des complications. C'est le fait que vous êtes là. C'est le fait que je sais qu'il y a des gens qui croient en moi. Je sais que nous ne prêchons pas dans les déserts. Il y en a ceux qui voient les choses comme nous, évidemment. Il y en a aussi d'autres qui ne voient pas les choses comme nous. Donc vous êtes une sorte de lumière aujourd'hui qui nous permet de rester debout et de continuer à faire ce travail que nous sommes en train de faire. Je tiens absolument à vous dire merci. Ce n'est pas facile d'être dans la peau des Perrault-Louara. Moi, je ne suis pas un garçon plaintif. Je ne me plains pas.
Vous avez certainement appris petit à petit peut-être à me connaître comme journaliste. Je ne viendrai pas ici pour transformer mon plateau en disant voilà, en train de larmoyer, de pleurnicher, de demander. Pas que j'en ai, mais je suis pas. C'est que celui qui aime, il y en a qui m'appellent pour me faire des remarques, pour me faire des encouragements, parfois pour me faire des cadeaux, mais je ne me plains pas. Mais je vous dis vraiment sincèrement que ce travail ici, nous le faisons parce que vous êtes là. Nous mesurons l'importance au Fanny Nandakoubou, de qui est Bandio Talibatoubou, à ta 100 personnes, Karabi. Ah, donc, bateau 100, oh yo yo. Bana, bamsouba, ba maman, bana, bamsouba, ba tata, bana, bamsouba, outi, ba misala, ba outi, ba caillou. Mais ils ont quand même pris le temps, Yarozoa, Kotalanga, donc, des noms, les Gabou, moi 100 personnes, ba Otalanga. Donc, pour respect à eux, nous n'avons pas le droit de flancher, quoi. Exilé, très, très recherché. Je pose toujours la question aux gens, je me demande. Nous avons la guerre dans l'Est de la République, nous avons des situations. Au lieu que mon pays se concentre sur ces choses-là, mais mon pays continue à mobiliser les services des renseignements, le service de ceci, trouver Perrault, faire du mal à Perrault, faire ceci, faire ceci à Perrault. C'est assez surprenant. Mais ça ne réussira pas. Ça ne réussira pas. Croyez-moi, ça ne réussira pas. Parce que nous pensons que Moutouana Simanabiso, Alegui ba kondi tout yambo na makasi, Alegui ba pomba tout amokili na makasi, yendem tabo mbibiso quoi. Ce Simanao, donc Zala à l'aise. Donc, merci Nabino. C'est d'ailleurs pour ça que je vais vraiment profiter de l'occasion pour Nassim Nabino. Bo s'abonner alors massivement. Bandeko sobo lingibiso, sobo bo sepe na moussa ato ko sala. Bo s'abonner très massivement. Tango bakata ki biso, to ba pirata ki chaîne. J'avais remarqué qu'il y avait des gens qui s'étaient désabonnés. Namoni bo zongi zongi. Je vais voir d'ailleurs, toza combien. Bofoula, tofoula, tofoula, to komi 89 800. 89 800 abonnés. Donc, talan de kwaza pembe na oso ina s'abonner, te yep se s'abonner. Tala frère Amou Pandi na s'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Alors, massivement, ça nous fait énormément plaisir. Ezo encourager biso, ezo pesa biso sous un peu tonus pour na roloba. Bato bandi mela biso, bato balanda biso. Et le wami bali na senga bino, bo aimer, bo liker vidéo au bo kotala. Parce que wana ce beau like yango, ce beau partager yango, et ce ko protéger biso, ce qui bas dongolo biso, ba kanisi ba sali kambo ya mabe, ba signaler, ba sala boy. Le fait que bino ba tobo kota la biso bo il ma ki vidéo, bo like ki vidéo, ils ont permettre biso to se mettre à l'abri na makambo nyo so to na ya mbilinga mbilinga ya ba dongolo biso o ba linga ba na bango vérité té. Ba to ba na sima ba ngi biso nyo so to beta maboko. Nga na ko beta maboko té. Na robeta maboko te parce que tant na bande ko lobama lamu na bino moto abenga nga ala kite moto pesa nga mbongo ala kite tant ou pe na monike et loko nga zai ko zela to ko banze pa na bino boko kisi yango te na zu courage danga na maboko mi bale pe na ina lobi na bino bota na bande ko mak toyo makamba ko sala ali makamba la mote bota na bande ko bato ba ko lobama makambo ali makambo mbilinga mbilinga makambo ya nyamu nyamu. Autant, à un moment donné, j'avais cru en ce régime et à l'homme qui l'incarne, c'est-à-dire le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autant j'ai récupéré le même courage pour aujourd'hui dire que je crois que nous avons fait une erreur, que ce monsieur n'est pas celui qu'on croyait. Il a déçu nos espoirs, a décevoir Makanisi. Donc, l'élo auto koloba. Tozu ba courage na biso to bendi nzoto o ko reprocher nga yango te yango nde démocratie ti o ko reprocher nga yango te na sali bena makasi lona me ko balinga la parce que maman mo abenga nga lobby ou avant-hier azayi na ba koko na ye ce sont ces petits enfants qui m'ont appelé ba bina nga pero maman biso azali nga ko mingi là on parlait en français mais le problème c'est que yo le baka français ba ki na Belgique. Nazu maman na sonné abi maman abi le mwana ngai makambo ko ba pona mboka to ali ebele lo baka na lingala na pesa argument na pesa ngono so mandimi ngate na bi maman bon lingala na bango bien et correctement
problème à linga les actes n'a qu'à quoi argumenter la linga latte linga la refaire dans des tobe tamasolo boba na mai tobe tamasolo to solo ya kitoko mais linga la y a quoi argumenter benza te au quoi que le babongo te ali moi na mboka bunda sala ngopo na nga mama na yo yo kutu na kuma mama na ote na koko na yo sala ngopo na nga koko na ok koko na sepe benza mbaba te lewa peso mi kolebele nga koko wa yo na kobunda oh lo babi nga na kobunda talanga elobi na kobunda donc le roi na lakaki ki na bunda le na lo balingala donc na bunda j'ai pas de problème avec les lingala je le pas donc nga na kesu na français na lo babi na lingala kitoko kitoko lingala mwana bandala kola na bandala fana na bandala sa ma mtu na bandala otonga na lingala to mekate na oyé lo lingala bazulu na nenga fo na yelo mabe na yelo linga ninga bafu na ninga na ninga bazulu okokate okokate mais bon ya bongo ok donc makamumi bali misato na sengi binu ya mwana donc bon meko partager koko yo pe mtuna lo bapo na yo ola nanga na Belgique na ba na opesa ombote mbote mingi en tout cas boko chilo landanga na sengi d'erreur yo senga kombo na fena za kombo no na boko libanga ninga saloma la mongo se reconnaître mbote mingi koko na ngai skoali na Belgique. Yebisa ba koko, ba sabone, ba partaje video, epi rosa yabiso malamu. Bandeko leo na eto loba maloba mi bale misato na makambo yo koleka na mboka. Evidemment na kolobe na makambo matali Est ya République Démocratique du Congo. Makambo yo koleka na moniele ya Est ya na Est ya République Démocratique du Congo. Est ya zaralobo kwa mwasye. Ok. Na kote kuna. Na koloba makambo matali boyei ya papa wa Roma na Congo. Pone toko lo wabu webi ke depi lobby. Na si mazanga. Papa wa Roma. François. Akitaki na mabele ya Congo. Lelo na tongo. Asali saki misa moko minene. Na libanda ya pepo. Libanda ya pepo ya ndolo. Lingale ya ragu eh. Libanda ya pepo ya ndolo. Aeroport de ndolo. Bino watu weba teke aeroport wabenga ngo libanda ya pepo. Boga libanda pepo ya isika pepo kitaka na ndolo asasa ki misa minene donc tokolobela yango po makambo ma epape na tata episcopo nani cardinal ambongo pe azoki maloba lobi makambo matali mboka liboso ya pape pe liboso ya bandimi ba ebanso bazalaki place wana alobi makambo no motuya na kulingana na analyser ngona pesa bino point de vue na ngai na mai matali makambo papa lobaki et puis na koloba makambo mosusu parce que ce qui bobo sanité na décrit le kaki na mekaki kofungola moi ici kama ko amoke o na bandai koloba makambo itali ne kona biso pasteur mukuna pona bozoba oyo ne ko mukuna le kaki alobi na télévision na lakaki bino ke bande kona kei na kozonga lokola ngonga ya empêcha ki ngai na kota na muzindo pona ko kofongola mai onde komuku na lobaki na television na lakaki na zwaki elaka wanobaki na bino bolimbisa ngai television za lingonga na kozonga mbala mosusu pona meka kofongola liboke liye etali makambo ya pasteur mukuna Lilian ozoka lingala Lilian kozoka lingala ozoka lingala yebisa ki kwiti na pumaski ba mekate bona na bafrasi te lingala ezali donc na ngwaki na kofongola liboke liye wana potokota na mozindo ya makambo oyo ndeko muko na lobaki donc na komeka kolobela ngo pelelo na banzi ke tango e kosala biso defaut pour que to revenir donc ndenge to koloba boye pape ya église catholique ali na mabele ya République démocratique du Congo pape François koma ki lobby akitaki na libanda ya pepo ya njili na libanda ya pepo oyo ya biso amunene ya aéroport ya njili ayamba maki na premier ministre Sama Lukonde nde moto akendaki na aéroport pona koyamba papa wa Roma na mona ki quelques officiels pe ba alaki wana notamment ba Patrick Muyaya ministre à communication média bande ko mosusu ba tali makambo ya mapinga pe makambo ya la police bazalaki wana bango nde bayambaki papa tango papa kitaki na Congo papa salaki mo carnaval moko ti akendaki maki koyamba ma na palais de la nation. Et si ko wapi akutanaki na ndeko Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, ba betay mo ba masole belebele ba lobi makambo gauche ba makambo droite. Mais ba oba na Kinshasa te, ba ope ba zupi peut-être libaku malamu akotala makambo ndenge papa ya kite. Botala nanu arrivé ya pape. Comment les papa a été reçu? Donc là, tango akiti na aéroport Angeli son cortège s'est ébranlé sur les rues de la capitale.
bana kisasa babima ki ebele bazala ki ebele penza na mi le long des routes donc na ba boulevard pour na kopé sa papa wa Roma kopé sa imbote pe ko souhaiter bouyer malamu na République démocratique du Congo. Botana mo ba image o y arrivé à Pape et puis on va revenir après pour continuer. Donc soki ndeko na biso kuna ali côté à machine, kuna ali na technique na régie, aza totalement d'accord avec biso to landana au Pape. Totalement boyé y a Pape. C'est au bout d'une heure et demie, et après un parcours de 25 km, que le cortège papal est enfin arrivé au Palais de la Nation ce 31 janvier en fin d'après-midi. Devant le perron du palais présidentiel de Kinshasa, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, portant l'hospitalité de tout un pays, accueille solennellement le souverain pontife. Symbole d'une parfaite relation entre Kinshasa et Vatican, les hymnes de deux États seront exécutés et les deux personnalités vont même saluer leurs délégations respectives. Le président de la République et le pape vont s'entretenir en tête-à-tête pendant une demi-heure avant de rejoindre le jardin du palais où les diplomates, acteurs politiques et ceux de la société civile les attendaient. Merci, merci beaucoup. Na bande konabiso oba likuna na régie parce que là bomoni boye ya papa wa Roma ba congolais ba ki ebélé bazala ki vraiment ebélé na sepeli na accueil oyo bandeko na biso nyoso to bali na Kinshasa ba accordé na pape aussitôt tango ndeko papa wa Roma François akiti na Congo il a pris la direction du palais de la nation. Et sous place na palais de la nation, Ayamba Maki na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont là qui en direct, ce qui botala ya ngote botala ngope na sepel parce que na zogi signal ya RTNC en direct depuis hier, même misa au papa wa Roma sala ki lelo na tongo na moni pe bande ko bayi ki batala ki ngo na sepel télévision parce que to zo ki sous direct na RTNC. Il a eu ma solo na ndeko Félix Tshisekedi. Donc ils ont eu des entretiens. J'ai vu que bato ba gimo ebele na monaki bato a politique bato ya mapinga bato a la police bato ya société civile bato ba ike ba yaki kuna na palais de la nation papa yamba maki na président de la république ba sololi et puis tangu ba silisi ko solola ba bimi libanda po na oyo ba benga ba cérémonie peut-être ya ba discours ba temps fort ya gimi balé d'abord discours ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tango Bassissi Masolona et na pape, Félix a pris le premier la parole. Il a fait un discours. Alobima Makambwe Bele Bele na kati ya discours na ye. J'ai suivi qu'il est largement revenu sur les potentiels de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire dans l'Est de la République, les enjeux de l'environnement,
la lutte contre le réchauffement climatique à l'obaki makambo na moi belé belé. Mais tout se concentrer dans makambo au Italie et sécurité dans l'est de la République. Parce que à beta qui c'était na makambo Italie est il y a République démocratique du Congo. Boyo kanan o ndeko Félix Antoine Tshisekedi à l'obaki concernant la situation sécuritaire dans l'est de la République. Ngai na kozonga na zomaloba na interpréter na pe sa banalise na pe sa makanisi na ngai na oyé ce Félix Tshisekedi à l'obi. Et puis tu continues mission. Tout l'andanon Makambo, le président de la République démocratique du Congo à l'obaki. Malheureusement, il y a lieu de constater qu'au cours de ces trois dernières décennies, cette hospitalité qui nous caractérise a été mise à mal par les ennemis de la paix et les groupes terroristes venus essentiellement des pays voisins. Ce malheur qui dure depuis près de 30 ans fait aujourd'hui partie de notre territoire en proie à ces violences et fait de cette zone une zone en rupture de paix où, outre les groupes armés, les puissances étrangères avides de minerais contenus dans notre sous-sol commettent avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda, de cruelles atrocités, faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. En effet, à la faveur de l'inaction et du silence de la communauté internationale, plus de 10 millions de personnes ont déjà été atrocement arrachées à la vie. D'innocentes femmes, même enceintes, sont violées et éventrées, des jeunes gens et enfants sont égorgés, des familles, des vieillards ainsi que des enfants sont condamnés à braver la fatigue et l'épuisement afin d'errer hors de leur maison à la recherche de la paix en raison des exactions commises par ces terroristes au service d'intérêts étrangers. Nous ne pouvions et nous ne pourrons demeurer quoi face à une telle injustice et un tel silence complice de la communauté internationale. À cet égard, sachez que je n'ai pas manqué de désigner le responsable et d'interpeller la communauté internationale lors de ma dernière intervention à la tribune des Nations Unies, ceci au nom de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Soyez rassurés, en outre, sur le fait que la République démocratique du Congo assume et continuera d'assumer ses responsabilités, notamment celles consistant en la défense de l'intégrité de son territoire avec l'aide de son peuple. Car, tableau sécuritaire préoccupant, le patriotisme ainsi que la détermination du peuple congolais pour la défense de sa patrie font sa force. Sachez, Sa Sainteté, que le peuple congolais demeure et demeurera un peuple grand, un peuple uni et fort face à toute menace faite à l'intégrité de son territoire et à la survie de sa nation. Merci beaucoup. Retour sur ce plateau. Là, on vient de suivre le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'adressait ainsi devant le pape François à l'occasion donc de son séjour ou de sa visite en République démocratique du Congo. Il a dit un certain nombre de choses. Donc, français. Et pourtant, j'ai promis, mon Dieu. C'est difficile. Alors, le président Félix Antoine Tshisekedi a dit un certain nombre de choses. Je vous ai pris la partie où le chef de l'État évoque la question de l'insécurité dans l'Est de la République. Regardez ce que le chef de l'État dit. D'emblée, parlons de la situation sécuritaire dans l'Est de la République.
Félix Tshisekedi Tshilombo commence par dénoncer l'inaction de la communauté internationale. Il dit que lors de son tout dernier séjour aux États-Unis d'Amérique dans le cadre des Assemblées générales des Nations Unies, il a même désigné l'instigateur de la situation d'insécurité dans l'Est de la République. Mais ici, devant le pape, il dénonce l'inaction de la communauté internationale. Je mets un point là-dessus. N'oublions pas que bien avant, Félix a aussi, la veille, quand il recevait, dans le cadre des vœux avec les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi s'était attaqué à l'Union africaine. Beaucoup ont même estimé que, entre lui et le président de l'UIA, M. Macky Sall, ça ne passe pas. Parce que Félix, quand il a abandonné la République pour aller se promener à Davos, après, il a fait une escale en Belgique. De la Belgique, il est allé participer à un semblant des sommets à Dakar où on parlait de l'agriculture. Curieusement, le président Macky Sall, quand il a tweeté pour remercier le président qui ont participé à ces sommets, il a cité les Burundi, un certain nombre de présidents, et il a oublié que notre touriste était là, que M. Tshisekedi était là, parce que sur la liste dressé par M. Macky Sall, Félix n'était pas là. Et Félix, d'une certaine manière, je ne sais pas si c'est par colère, il a répondu à Macky Sall en expliquant que l'Union africaine ne joue pas son rôle. Je mets un point là-dessus. Quand nous avons un président pleurnichard, un président plaintif, j'ai dit ici, mes frères, que quand on arrive au pouvoir, on ne vient pas au pouvoir pour se justifier. Quand on arrive au pouvoir, on ne vient pas au pouvoir pour se lamenter. Au pouvoir, on agit. On est supposé avoir fait la cartographie de la situation du pays. Je parle du président de la République. Parce que c'est quand même la plus grande fonction de l'État. On a battu campagne. On doit avoir une vision de la situation générale. Et on doit déjà avoir confectionné le remède à appliquer à la maladie du pays après avoir fait les diagnostics. Mais ici, depuis 4 ans, vous avez un homme qui prend des positions alambiquées, qui prend des décisions irréfléchies, qui se retourne contre la République. Mais visiblement, vous avez un homme qui n'a aucun repère, aucune solution, qui vient devant le peuple et devant les invités se plaindre et pleurnicher. Donc, M. Tshisekedi est allé pleurnicher. Tshisekedi dit, il évoque la question de l'inaction de la communauté internationale concernant l'insécurité dans l'Est de la République. Mais il nous donne raison. Quand on lui a dit ici que nous ne voyons pas les raisons pour lesquelles vous multipliez les voyages, quand nous avons dit ici que M. Tshisekedi est un touriste d'État, il a une passion pour le tourisme étatique. Quand nous avons dit ici que les 250 voyages de M. Tshisekedi étaient des voyages inutiles, on nous a dit, en nous insultant, que non, il était en train de chercher les relations, il était en train de placer le curseur de la République démocratique du Congo sur le plan international, il assurait la visibilité de la République. Mais ici, devant le pape, lui-même, Félix Antoine Tshisekedi, touriste en chef, il dit, il fustige l'inaction de la communauté internationale. Mais puisque la communauté internationale est inactive, quand vous criaillez partout en évoquant la question de la diplomatie agissante, je vous ai toujours dit qu'on était en train de nous leurrer. Qu'est-ce que la diplomatie agissante de M. Félix a apporté? Donc, en fustigeant l'inaction de la communauté internationale, Félix Tshisekedi lui-même se fustige. Si la communauté internationale n'est pas réceptive aux cris et aux larmes de la République démocratique du Congo, pourquoi notre président voyage autant? Félix parle d'une situation qui dure depuis 3 décennies. Je suis totalement d'accord avec lui, mais je pose des bémols. Il est vrai que l'Est de la République démocratique du Congo connaît des situations de déstabilisation depuis 30 ans. Il a raison. Ce problème est intervenu plus précisément après le génocide du Rwanda en 1994, quand les Interahamwe qui ont massacré au Rwanda les Tutsis ont traversé avec armes et munitions chez nous. Mais la situation catastrophique dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'existe pas depuis 30 ans. L'Est de la République démocratique du Congo est déstabilisé depuis 30 ans. Mais il y a seulement 4 ans, il y a 5 ans, quand Félix prenait le pouvoir, le M23 n'existait plus. C'est vrai que nous avions nos problèmes, mais
L'incompétence de M. Tshisekedi a compliqué davantage le problème. Quand il évoque, il renvoie la situation d'insécurité de plus de 30 ans, Félix veut tout simplement trouver un moyen de se cacher, de cacher son incompétence et son insuffisance. L'Est a été déstabilisé depuis 30 ans, mais la situation s'est compliquée davantage depuis que monsieur a pris les pouvoirs. Je suis prêt à les démontrer et je vous apporte des éléments. Nous avions des zones résiduelles d'insécurité dans l'Est de la République, mais aucune partie de ce pays-là était contrôlée par une armée étrangère, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Quand monsieur prend le pouvoir en 2019, nous n'avions pas l'armée rwandaise sur notre sol. Nous n'avions pas les Sud-Soudan. Nous n'avions pas le Burundi chez nous. Donc quand il dit que la situation existe depuis 30 ans, c'est une manière de fuir ses propres responsabilités et de dire « ce n'est pas moi, c'est une situation que j'ai trouvée ». Non, M. Tshisekedi, je vous tiens responsable de la détérioration de la situation dans l'Est de la République. C'est vous. C'est votre insuffisance. C'est vos limites. C'est votre compétence qui nous a amené à la résurrection du M23. Il y a 5 ans, quand vous prenez le pouvoir, le M23 n'existait pas. C'est une manière irresponsable de fuir ses responsabilités. Passez-moi cette redondance en disant « c'est une situation qui date d'il y a 30 ans ». Non ! Cette situation s'est compliquée depuis que l'incompétent Chilombo est au pouvoir. Si je mens, apportez-moi d'autres éléments. Le Rwanda se trouve chez nous quand vous prenez les pouvoirs il y a 4 ans, M. Tshisekedi, il n'était pas là. Le Burundi n'était pas chez nous, l'Ouganda n'était pas chez nous, le Sud-Soudan n'était pas chez nous, le Kenya n'était pas chez nous. Bunagana n'était pas un territoire incontrôlé. Kichanga appartenait à la RDC, Kibumba pareil, Rutshuru centre pareil. Rumangabo était encore un centre militaire congolais, contrôlé par l'armée congolaise et par le gouvernement congolais. Il y a seulement 4 ans, il y a 5 ans. Vous ne pouvez pas nous tromper, M. Chilombo. Vous ne pouvez pas leurrer ces peuples. Tshisekedi est responsable de la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est de votre pays. C'est lui le responsable. L'incompétence, l'insuffisance de M. Chilombo a compliqué les choses. Donc, quand devant les papes, dans l'extrait que je viens de vous donner, M. Chilombo dit que l'insécurité date d'il y a 30 ans, Félix a menti. Nous connaissons, c'est vrai, des situations dans l'Est de la République, des situations graves et d'insécurité, mais cette situation-là a été compliquée, s'est détériorée depuis que lui est arrivé au pouvoir. Il parle de 10 millions de morts. Il dit il y a des femmes innocentes qui sont violées, des enfants égorgés, des braves enfants qui sont entrés derrière en quête de paix, dans l'extrait que vous avez suivi là. Là aussi, M. Chilombo ne dit pas. C'est vrai que nous avons des situations catastrophiques. Mais qu'est-ce que son gouvernement fait pour soulager ses enfants qui sont en train d'errer? Qu'est-ce que son gouvernement et lui, M. Chilombo, fait pour encadrer nos compatriotes qui sont dans ces situations-là? Dans les camps des réfugiés, il manque d'eau, il manque de tout. Pendant que lui, Félix Tshisekedi, est en train d'acheter un avion pour sa jouissance et pour ses voyages touristiques à plus de 70 millions de dollars, les réfugiés sont en train de marcher et il manque un peu de tout. Une chose est de constater la situation, une chose est de se plaindre, mais une autre est d'apporter des solutions. Quelles sont les solutions en termes d'urgence que le président Tshisekedi, avec son gouvernement d'incompétents et de jouisseurs, ont apporté pour alléger la souffrance de nos compatriotes fuyant la guerre dans l'Est de la République? Aucune solution. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans le cadre de sa participation au projet de la balkanisation de la République, il a lancé un état de siège. Il a désarticulé l'architecture administrative des provinces. Il a mis des généraux comme des gouverneurs, des généraux qui, au lieu de s'assurer des aspects sécuritaires, sont aujourd'hui devenus des commerçants, des coopérants. L'armée qui devait être là au front pour assurer la sécurité, cette armée est utilisée pour aller triander dans les mines. Ce sont les militaires qui, aujourd'hui, sont devenus des gardes du corps, comment ça s'appelle? Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Qui sont devenus des gardes du corps des Chinois et des autres personnes dans les carrés miniers. Ça, c'est la responsabilité de M. Tshisekedi.
Ça, ce ne sont pas des choses à renvoyer il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il n'y avait pas l'état de siège à Nitouri. Il n'y avait pas l'état de siège au Nord Kivu. Il n'y avait pas des gouverneurs militaires. Ça, c'est Tshisekedi qui a mis ça. Cette affaire, cette gouvernance où monsieur n'assume rien, où monsieur renvoie tout, le tout, ce n'est pas lui. Maintenant, il dit, c'est des situations qui datent d'il y a plus de 30 ans. La vérité, c'est que là, il veut fuir sa responsabilité en disant, ce n'est pas moi, j'ai trouvé ça. Non. Congolais, réveillez-vous. N'oublions pas qu'à l'heure où nous parlons, M. Félix est responsable de la détérioration de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'en parlerai, si le temps me permet, vers la fin de cette émission. Si nous avons un responsable, si nous devons tirer les responsabilités, nous avons un homme qui a compliqué la situation. S'il faut tirer les responsabilités par rapport à l'insécurité dans l'Est de la République, le responsable de la catastrophe sécurité, la situation sécuritaire dans l'Est, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est à lui qu'il faut demander des comptes. Il n'a pas à fuir ses responsabilités et à nous renvoyer depuis 30 ans. Il dit, là encore, c'est le comble de la bêtise, c'est là vraiment que je me suis dit, Félix Tshisekedi est amnésique. Il dit au pape que la République démocratique du Congo va assumer la défense de son territoire à l'aide de son armée et de son peuple. Mais Tshisekedi se trompe. Tshisekedi se trompe. Il y a quelques mois ici sur ce plateau, je vous ai étalé les déclarations bizarroïdes de M. Tshisekedi. Lui, Tshisekedi, est le premier à cracher sur son armée. Tshisekedi a dit aux États-Unis d'Amérique lors de son dernier séjour, quand il est allé participer aux assemblées générales des Nations Unies, que le Congo n'avait plus d'armée. Quand les journalistes étrangers, notamment Babouvier, lui ont posé la question de savoir comment ça allait se passer, Tshisekedi a dit que la sécurité dans l'Est de la République reviendra du fait des forces et de l'EAC. Il voulait s'appuyer sur le Kenya quand il disait que le Kenya va rentrer par Bunagana. Il a dit que cette armée n'était pas une armée homogène. Il a dit que dans cette armée, il y avait des généraux qui répondaient aux ordres extérieurs. Il a craché sur son armée, il a insulté nos vaillants effardés qui meurent à l'heure où je parle dans l'Est de la République. Mais quand devant le pape, monsieur vient tout bonnement, il dit que la RDC va assumer sa propre sécurité, va recouvrer en s'appuyant sur son armée et sa population, je pose une question à M. Tshisekedi et à tous ses affidés. De quelle armée M. Tshisekedi parle-t-il? Est-ce que de l'armée qu'il a insultée au mois d'octobre ou de novembre de l'année passée? Entre novembre et octobre, M. Tshisekedi a-t-il reformé cette armée? Entre novembre et aujourd'hui, janvier, février, M. Tshisekedi a-t-il créé une autre armée? Parce que lui, il a dit que le Congo n'avait plus d'armée. Et il a laissé le président burundais, le petit Burundi là, dire dans un sommet de la communauté des États de l'Afrique de l'Est que les armées étrangères, notamment de l'EAC, vont rester chez nous jusqu'à ce que le Congo disposera d'une police et d'une armée capable de se... Donc même les présidents étrangers ont caché sur nous. Félix était là, il n'a rien dit. Félix était là. Mais aujourd'hui, devant les papes, Félix Tshisekedi vient dire que le Congo va s'assumer, le Congo va s'organiser pour récupérer, pour assurer sa défense, la RDC va assumer la défense de son territoire avec l'aide de son peuple et de son armée. On parle de quoi et on parle de qui? Posez la question à votre président, de quelle armée s'agit-il? De quelle armée s'agit-il? Mes frères, si vous êtes un habitué de mes émissions, rebobinez les cassettes, vous me donnerez raison. Je vous ai dit ici que M. Tshisekedi n'a aucune ressource intellectuelle, matérielle, managériale, diplomatique. Il n'a pas de ressources pour résoudre la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Toutes les décisions que Tshisekedi prendra par rapport à l'Est de la République vont nous compliquer la vie. Vous ne m'avez pas cru.
On m'a insulté ici. Ils ont envoyé leurs affidés, leurs laudateurs pour m'insulter. Ils ont dit que j'ai travaillé pour le Rwanda. Ils ont dit que j'ai travaillé. Mais aujourd'hui, est-ce que vous ne me donnez pas raison? Parce que n'oubliez pas, quand Tshisekedi dit que cette situation-là date d'il y a 30 ans, j'affirme et je confirme ici que Tshisekedi ment. C'est une manière pour lui de fuir ses responsabilités. L'insécurité dans l'Est, certes, date d'il y a 30 ans, mais la situation que nous vivons aujourd'hui, la complication de la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est pas du fait d'il y a 30 ans, c'est du fait de son incompétence. Il y a 5 ans, M. Tshisekedi, le M23 n'existait plus. Vous avez demandé à Claude Ibalanki, je cite les noms, qui est d'ailleurs un de ses amis, parce que lui, ses amis, là, les rêveurs qui faisaient rien en Europe, qui l'entourent. Il a demandé à son ami Ibalanki, qui l'a placé au mécanisme national de suivi, d'aller ressusciter le M23. C'est Ibalanki qui est allé négocier avec le M23. Et lisez le tout dernier rapport des Nations Unies. J'étais en train d'ailleurs de les lire avant de monter sur ce plateau. Le tout dernier rapport des Nations Unies qui indique que le Rwanda soutient le M23. Quand vous lisez la page 18, je crois, page 18, oui, point 69, les experts des Nations Unies qui établissent noir sur blanc que le Rwanda est derrière le M23, note ceci, que cette situation-là est due aussi au fait aux négociations clandestines organisées par les autorités de Kinshasa depuis 2020. Et les experts notent que ces négociations ont duré 14 mois. Pendant ce temps, le M23 était déjà vaincu par Kabila. Il n'a pas à nous distraire. Il n'a pas à nous mentir. C'est lui qui est responsable de ce qui arrive. Et mes chers frères, aussi longtemps que ce monsieur sera président de la République, votre pays va aller de mal en pis. Vous savez maintenant la recette, c'est quoi? La recette, c'est que ils vont bientôt prendre Goma. Mais s'ils ne prennent pas Goma, voilà ce qu'ils vont faire. La Goma est asphyxiée. La vie est devenue compliquée. Le M23 vient de couper tous les points d'approvisionnement de la ville de Goma. Entre-temps, n'oubliez pas que Goma vit grâce à une économie locale. Goma est l'exemple, le symbole d'un développement interne. Vous avez une ville qui s'est construite, des très beaux hôtels, des routes, mais ce sont des autochtones, des Congolais qui construisent ces hôtels-là. Goma est une ville touristique. Maintenant qu'il y a des bruits d'insécurité, que tous les coins d'approvisionnement sont bloqués, la ville manque de tout et l'économie de la ville est par terre, les hôtels sont vides. Les investisseurs congolais qui travaillent dans ces hôtels-là ne peuvent plus. Donc, les gens, non seulement qu'ils n'ont pas l'argent parce que l'économie ne fonctionne plus à cause de la guerre et des bruits des bottes, mais aussi, ils ne peuvent même pas s'approvisionner, même en nourriture, parce que tous les accès menant la nourriture vers la ville de Goma sont aujourd'hui contrôlés par le M23. Pendant ce temps, vous avez un jouisseur à la tête de votre pays qui lui raconte sa vie. Toute honte bue, comme j'ai l'habitude de le dire. Il continue à refuser de négocier avec le M23. Goma va tomber. Moi, je n'appelle pas M. Tshisekedi à négocier avec le M23. Vous voulez avoir mon point de vue? Mon point de vue, c'est que M. Tshisekedi dit, quand on vous a donné le pays, quand vous avez arraché Kabila et vous, à Martin Fayoulou sa victoire, quand Kabila vous a nommé président de la République, quand il a organisé la cérémonie des passations du pouvoir, vous étiez président de 2 345 410 km² de superficie. On vous a donné les clés d'un pays entier. C'est vous qui avez cru que vous pouviez faire confiance aux Rwandais. C'est vous qui avez cru que vous pouvez faire confiance au M23. Mais voilà là où vous amenez le pays. Donc même devant le pape, M. Tshisekedi a menti.
Mais je suis cité d'y prononcer un discours démagogique. Je suis en train de vous étaler les éléments. Que celui qui veut me contredire apporte des éléments contraires, ça ne sert à rien de m'insulter. On ne peut pas croire à M. Tshisekedi quand il dit devant le pape, Monsieur le Saint-Père, rassurez-vous que la République démocratique du Congo va assumer la défense de son territoire avec l'aide de son peuple et de son armée. J'ai dit non, de quelle armée vous parlez, M. Tshisekedi? Vous mentez. Parce qu'il y a 4 mois ici, vous, devant le monde entier, dans une interview avec un média international, vous avez dit que le Congo n'avait plus d'armée. Vous l'avez dit. Vous avez dit que le Congo n'avait plus d'armée. Tshisekedi n'est pas à sa place, frère. Notre problème à l'heure où je vous parle s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le problème. C'est lui notre problème. Je vous dis et je vous répète, s'il nous reste encore un peu d'amour pour notre pays, s'il nous reste encore un peu d'amour pour notre pays, notre responsabilité comme peuple, notre responsabilité comme citoyen, c'est de nous lever contre M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est de nous dresser contre lui. Parce que toutes les décisions qu'il prend sont des décisions qui tendent à amener le pays vers l'abîme. Et les conséquences qui en suivent les démontrent, mes chers frères. Je ne m'acharne pas sur lui. Je n'ai pas un problème personnel contre M. Tshisekedi. Quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, Perrault, je t'ai appelé juste pour te demander, est-ce que Tshisekedi a cela au mois-ci? Mambo. Yo. Pardon, mon Libsarana, évitez les lots. Zolo, on a un problème. Excusez-moi. Abé, n'a tout n'y a bi. Perrault, Yepsabiso. Dis-moi la vérité, il y en a tiré de bouillir la moissine. Oh! C'est que toi, la moissine. Non, mais parce que là. Oh, ça n'est pas bien, on attaque à la cathode. Dieu me l'a dit, on n'est pas. Neba, c'est quoi, Paolo Maldini. Un grand défenseur. Milan, c'est. A nos bêtes à toi, sera fan de l'homme, Panzo, on a donc Maldini à Kanyo, on a donc Kangaï, on a donc Kangaï, on a la première Félix Tshisekedi. Félix est président de la République. Mais c'est l'amour de mon pays qui m'amène à dénoncer des choses que je trouve anormales. Autant Tshisekedi faisait pareil avec Kabila. Chebeya Koufi, Kabila Bomi Chebeya. Rossi Mukendi Koufi, Kabila Bomi Rossi Mukendi. Nani, comment est Nani? Arma Tungul Koufi, Kabila Bomi Arma Tungul. Yabino Lelo, Ange. Matondo a koufi. Oh, et ça, Tshisekedi. Non. Tshisekedi a bomi Armatongo. A bomi Ange Matondo. Tshisekedi a bomi William Ngoyo a koufi na aner. Tshisekedi a bomi Onani. Comment est Nani? Comment est Nani? Na lobelango. Donc, bien sûr, comment le babongo. C'était bien quand c'était à l'époque de Kabila. Quand on disait ça à l'époque de Kabila. Mais tant que comme il a tourné, bien comme il y a un acharné. Mais acharné maté. Et acharné maté. Tozo tiré ka ba conséquence logique à ma kambo bino bolobaki. Quand à l'époque, il disait que Kabila était un incompétent, que Kabila zomboka teka, il a même dit que Kabila a long la rabat mibali pantalon. Là, ce n'était pas des insultes. Moutakanga qui a zate. Bah, parce qu'il y a un mandat d'aménité. Il est chez lui au salon à Belgique, à l'objet Mobutu Aliboma. Tu sais que d'abord Mobutu Aliboma, Moutou de Sarabiente. Moutou de mandat zate. Moutou de mandat zate. Président de la République démocratique du Congo, un pays qui s'est dit chrétien, Félix Tshisekedi a tellement de bosso batalobi, Kabila qui va m'y battre, qui s'est lagué pantalon. Donc, il a dit de Kabila qu'il était pédé. Bakangaye. Quand moi je viens parler de sa libido débordante dans une affaire que lui-même a mis sur la place publique, on a ébra Gisèle Mpelate. On a ébra Gisèle Mpelate. Non, tu n'as pas Gisèle Mpelate à filmer moi, nanana, moi si, comme Feliciana, et longue, et tiens, tu sais qu'il y a mis sous. Papa, non, comme. Non, il n'y a pas Gisèle Mpelate. Donc, ceux qui Gisèle Mpelate, il y a sur la place publique, il y a un peu de libido à Félix. Quand j'ai commenté sa libido débordante dans une affaire mise sur la place publique par lui-même, qui est en Congo, il y a un mandat d'amener. J'ai parlé de ses amis brassicoles, les Topé Mukengeshai, les Jisse Kakabongo, les Vidier Chimanga.
Les Fortuna Biselele. Regardez cette vidéo-là. J'ai parlé comme un prophète. Ça fait une année. Trouvez-moi toutes les personnes que j'avais citées dans la vidéo. Topin Kabongo, il est où? Jessica Kabongo, il est où? Fortuna Biselele, il est où? Vidye Chimanga est où? Toutes les personnes que j'ai citées dans cette vidéo. J'avais dit que ce sont ses amis brassicoles. Ils prenaient la bière avec eux en Belgique. Ils m'ont traqué, ils ont lancé un mandat d'amener un avis de recherche contre moi. Ils sont où toutes ces personnes-là? Ils sont où? Ils sont où? Aujourd'hui, Fortuna Biselele est en prison. À l'époque, quand j'en parlais, Bofina Kingaï, quand j'ai parlé de cette affaire de libido, j'ai cité les amis brassicoles de M. Tshisekedi. Des gens qui n'aimaient pas ce pays. Le seul mérite qu'ils ont, ce sont ses amis. Ils parlaient en Belgique, ils buvaient avec eux. Bando Sabakop, bon, mais la massa en Belgique. Boussou Botrakenaï. Biselele est en prison aujourd'hui. On a retrouvé 16 millions de dollars en liquide chez lui. On lui a retrouvé un passeport rwandais. Donc j'étais comme un prophète. Juste Kakabongo, il a fui. Il est en France aujourd'hui. Juste Kakabongo a la nationalité française. Topé Mukengeshaï. Topé a la nationalité canadienne et une nationalité belge. Il est double, triplement nationalité. Mais Tshisekedi l'a amené pour prendre de l'argent chez nous. Des gens qui ont pillé la République. Des gens qui ont pillé la République. Vidye Chimanga qui allait négocier 20%. Vidye est belge. Il a nationalité belge. Lui-même, Tshisekedi, sa nationalité. Est-ce qu'il est congolais? Non, j'attends des éléments, je viendrai vous dire. Parce que quand on dit que Katumbi n'est pas congolais, vous êtes sûr que Tshisekedi a encore la nationalité congolaise aujourd'hui? Tshisekedi. Vous connaissez la nationalité de la femme de Tshisekedi? Je ne dis pas qu'elle est rwandaise. Elle a pris une autre nationalité. Parce que quand on parle, je viens. Ben le mezali nazoya nango. Je viendrai vous démontrer que même Tshisekedi lui-même, vous devez remettre en cause sa nationalité. Hein. Il faut remettre en cause. La constitution de la République démocratique du Congo dit la nationalité congolaise est une et exclusive. On ne la partage pas avec une autre nationalité. Tshisekedi a passé tout son temps en Belgique. Vous êtes sûr que tout le temps que Tshisekedi a passé en Belgique, il n'a pas pris une autre nationalité? Sa femme travaillait comme aide-soignante en Belgique. Vous pensez qu'elle n'a pas pris une autre nationalité? Parce que vous venez parler ici. Vous avez pris les topins qui a un passeport belge, un passeport canadien. Vous avez pris le Vidye Chimanga qui a un passeport belge. Le Jesse Kakabongo qui a un passeport français. Biselele avec un passeport rwandais. Des gens que j'ai dénoncés. Au lieu de me suivre, vous m'avez traqué. Bozubo Tindé Onani, Kalula, si c'est Kalula. Vous avez envoyé Kalula émettre des avis de recherche pour qu'on me recherche partout. J'ai laissé mon travail. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez encore me regarder dans les yeux? Qui a eu raison, qui a eu tort? C'est des gens que j'ai dénoncés quand j'ai parlé de l'affaire libidinale, quand j'ai parlé de la libido débordante. Toutes les personnes là, je les ai citées dans cette vidéo, ressuscitez la vidéo. Quand j'évoquais la question des amis brassicoles, j'ai parlé de Jean-Marc Kabound à l'époque. J'ai dit qu'il est venu avec un cargo. Naba sandal, na chemise ou bleu à ma boko milaye komatia. Kabound est où aujourd'hui? Kabound est où? C'est pas Kabound qui est venu vous dire que Bazora Mongo Bahi Barabacha on a bavio bakendanango libanamboka. J'ai parlé d'Augustin Kabouya. En vous disant que c'est un ancien Kadhafi. Mais qui aujourd'hui achète des maisons. Regardez les maisons qu'il construit à Lemba là-bas. Regardez Kabound et Kabouya. Kabouya dit quoi, c'est comme il y a or et Ngengi. Mais c'est quelqu'un qui vendait le pétrole. Je ne le dénie pas. Mais je ne m'explique pas qu'il parte de là, vendeur de carburant dans des pétroles, dans des bidons, qu'il devienne aujourd'hui quelqu'un qui roule avec des quatre cortèges dans l'état là-bas, Mitouka. C'est en sérieux, en 4 ans. En 4 ans. En 4 ans. Alors Katilenge lui, ou Akabe Akamonga chez lui, il va inaugurer un robinet, président de la République. Mais c'est des choses que j'ai dites. Je l'ai dit. Et c'est des choses qui m'ont valu aujourd'hui la situation dans laquelle je suis. Ça va faire bientôt une année que j'avais fait cette émission-là. Calculer toutes les personnes que j'ai impliquées dans cette émission-là. Bolande la bango bazawa pilelo. Bazawapi. Bazawapi. Jusqu'à Kimi, Babengani, Balongole Moussala Kimi, Topin a fui.
bazozonga soute. Mais c'est ça ses amis, ayeba bango. Ayeba bango na masanga na ba café na Belgique. Ndé makam na lobaki. Les lobos ont pesanga raison. Aujourd'hui, l'avenir me donne raison. L'avenir est en train de me donner raison. Alobi makamba libido à président, alobi makamba libido à président. Ngai mutuna tinda ki Gisèle Mpela azwa bana a exposé bango na nanani na ba réseaux sociaux. Ngai. Ngai mutuna tinda ki Félix azwa DGM à côté sa DGM na makambu DGM ya kolongo la Gisèle Mpela basoko benda le kola sac ya bakoni, le kola sac ya makala ba côté na kati ya avion. Ngai. Ngai mutuna tinda ki bango ba filmer ba tchango na ba réseaux sociaux. Quand je viens commenter, bozu bo pesi ngai nani, bo tineli ngai avis de recherche. Bongo lelo siko. Wapi vidie chimanga? Wapi tope tompe ka bongo? Wapi tope mukengesha? Wapi chiseka? Wapi biselele? Wapi vidie? J'avais dit que ces gens-là, c'était ses amis brassicoles qui l'a transformé en des multimillionnaires. L'avenir m'a donné raison. Autant l'avenir me donne raison quand j'ai dit que Félix était un incompétent. Autant l'avenir me donne raison quand j'ai dit que si nous aimons notre pays, nous devons nous organiser pour chasser Félix. Quand j'ai dit que Félix ne saura pas résoudre la situation dans l'Est de la République, on m'a insulté. Mais aujourd'hui, l'avenir me donne raison. Quand j'en parlais, on était à Bounagana. Mais le lot Kichanga est quoi, Rumangabo est quoi, Sake est bientôt peut-être, Kibumba. Donc, dans le prophète. Félix Azo Kosa, n'a pas fait. C'est pas un homme qui est à sa place. Surtout l'inimbo, il n'est pas à sa place. Nando, maman. Maman, ma ancien Kadhafi, ma combi, ma bon. Félix n'est pas à sa place. Tosong la mamba pape. Donc Félix a lobby mamba l'okuta. A causé de bosser à pape. Félix a lobby mamba l'okuta. Mais, bon, le rassico yo, cardinal Ambongo, voilà le lona tongo. Lui au moins, il a tenté encore de peindre la situation. Bon, le cardinal Ambongo, avant toi, il n'a pas pillé mon co, tout le gars a dossier, moussous. Nando banga mamboyer, nan mouna diage. Pardon, tout le cardinal Ambongo, et puis on revient. Très Saint-Père, la République démocratique du Congo, que vous visitez à ce moment, est un pays potentiellement très riche. Sa population, essentiellement jeune, est à majorité chrétienne, dont plus de 40% des catholiques. Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme. Conflits armés, particulièrement à l'est du pays, crise économique et misère sociale. Très Saint-Père, le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Votre visite, très Saint-Père, intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème tous réconciliés en Jésus-Christ et confiants dans vos prières, nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées.
Merci, merci beaucoup à notre ami qui est de l'autre côté de la régie. Là, on vient donc de suivre le cardinal Ambongo, qui lui a pris la parole aussi, et il a dit un certain nombre de choses. Bon, c'est la vérité, bandit comme monana. Lobby Félix est venu devant les papes, il a raconté ces choses. Mais aujourd'hui, le cardinal Ambongo qui prend la parole, il dit aussi un certain nombre de choses. D'abord, il commence par parler de la misère du peuple. Il dit, monsieur le Saint-Père, sa sainteté, ce peuple qui vous reçoit ici souffre dans son corps et dans son âme. Souffre dans son corps et dans son âme. Mes frères, quand je vois les gens qui m'insultent, j'en vois même là. Je me pose vraiment la question, je me dis, ah, est-ce que bato bafan na ba congolais si kamoko? Et puis comment on a peut-être que bah on a peut-être à s'enfranter. Niveau bato ba souffrir na Congo. La souffrance a atteint des niveaux terribles. L'absence de l'État, un pays où l'amour na tongo au sali kambolingi. Jamais nous avons atteint les niveaux autozoro kendo. En 4 ans, Félix a tout déstructuré, mes frères. Tout déstructuré, tout. J'ai posé une question à un tshisekediste. Oh non, au monde à Félix. Félix Assali et Logomalamou. Je lui ai dit, cite-moi deux. Un, et Logomalamou, Félix Assali. Qu'est-ce que ce monsieur a déjà fait en 4 ans depuis qu'il est président de la République? Quelle réforme, quel projet Félix a-t-il mis en place qui a réussi en 4 ans? Tous les projets qui ont réussi avec M. Tshisekedi sont des projets de frappe, d'escroquerie. En matière d'escroquerie, en matière de frappe, tous les projets de frappeurs ont réussi. 100 jours, frappe. Et comme ça, on va millionnaire, on va se mettre. Ram, frappe. Et comme ça, on va millionnaire. Tile Gelou, frappe. Mais faire des frappes en termes de millions de dollars. Des millions de dollars. J'ai dit en termes de millions de dollars. Donc en 4 ans, Félix a détourné Nabatounaye des milliards. Tu me poses la question. Oui, des milliards. Le projet 100 jours a coûté à la République plus de 600 millions de dollars. 600 millions de dollars. Le projet au Biloko RAM. Ezaku projet était frappe à RAM. RAM, c'est plus de 500 millions de dollars. Nous sommes déjà à plus d'un milliard. Rien qu'avec ces deux-là. Chile Gelou, 140, tout ça, 50 millions. 1 milliard 200 millions. Zoa Biloko Nyoso. Les palais présidentiels, on l'a réhabité à plus de 100. Donc, mes frères, frappe sur frappe. Donc, en 4 ans, la jouissance a détourné des milliards de dollars. Des milliards. Mais regardez la situation, il y a misère, il y a peuple. Le cardinal Ambongo l'a dit. Regardez le niveau, il y a souffrance, il y a peuple. La crise économique, le problème de sécurité. Il dit, le peuple qui vous accueille est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Sa sainteté. Le peuple qui a accueilli le pape François est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. On voit des gens sans utilité, sans importance, avec un parcours scolaire scabreux. Des gens qui ne faisaient rien. Ils viennent, ils sont bombardés à des postes et des responsabilités avec comme rôle principal, cop, frappe. Frappe sur frappe. Frappe sur frappe. Ambongo l'a dit. Et comme nous sommes pendant les élections, nous voulons avoir des élections apaisées, inclusives, libres et transparentes. On a dit ça devant les papes. C'est comme ça que je vous dis, en réalité, quand vous suivez le discours du pape, quand vous suivez le séjour du pape, c'est un séjour humiliant pour M. Tshisekedi. Le pape et l'église a humilié M. Tshisekedi. Tshisekedi
qui doit regretter parce que les vérités ont été dites et les caméras du monde sont braquées devant nous. Ambon, on l'a dit, le peuple souffre. Un régime de frappeurs est là. Le pape, l'église catholique n'a pas été tendre avec M. Tshisekedi. Ce que eux pensaient être comme un gain diplomatique s'est transformé en guet-apens. Le séjour de François est un guet-apens pour Tshisekedi. Parler avec ceux qui réfléchissent, pas les laudateurs, les dialolistes qui applaudissent n'importe quoi et n'importe comment. Ceux qui ont un certain regard, un sens critique des choses. Tous, ils ont vu que ça a été un séjour guet-apens, un séjour piège qui a déshonoré, qui a mis à nu la gestion catastrophique des jouisseurs. Mais lui-même, le pape a parlé. Prenez d'abord ce petit extrait de deux minutes et demie. Et puis je vais revenir, si je l'ai, pour clôturer ces dossiers, si j'ai le temps, on va tenter de voir d'autres dossiers. Regardons d'abord. L'histoire n'a pas été aussi généreuse. Tourmentée par la guerre, la République démocratique du Congo continue de subir à l'intérieur de ses frontières des conflits et des migrations forcées et à souffrir de terribles formes d'exploitation indignes de l'homme et de la création. Ce pays immense et plein de vie, ce diaphragme de l'Afrique, frappé par la violence, comme par un coup de poing de l'estomac, semble depuis longtemps avoir perdu son souffle. Monsieur le Président, vous avez parlé de ce génocide oublié qui souffre la République du Congo. Chères femmes, chers hommes congolais, votre pays est vraiment un diamant de la création. Mais vous, vous tous, êtes infiniment plus précieux que toutes les choses bonnes qui sortent de ce sol si fertile. Courage, frères et sœurs congolais. Relève-toi, reprends dans tes mains, comme un diamant très pur, ce que tu es, ta dignité et ta vocation à garder en harmonie et en paix la maison que tu habites. Revis l'esprit de ton hymne national en rêvant et en mettant en pratique ces paroles. Par le dur labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Que la violence et la haine n'aient plus de place dans le cœur et sur les lèvres de quiconque, car ce sont des sentiments inhumains, des sentiments antichrétiens qui paralysent le développement et ramènent en arrière vers un sombre passé. En parlant de frein au développement et de retour au passé, il est tragique que ces lieux, et plus généralement le continent africain, souffrent encore de diverses formes d'exploitation. C'est cette devise qui sort de l'inconscient de tant de cultures, tant de gens. L'Afrique doit être exploitée. Et cela est terrible. Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays, largement pillé, ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ses immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin.
que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent. Que l'Afrique, sourire et espérance du monde, compte davantage, qu'on en parle davantage, qu'elle ait plus de poids et de représentation parmi les nations. Merci beaucoup à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Je voulais que vous écoutiez un peu ces petits extraits du pape. Donc, les affidés de M. Tshisekedi qui pensaient que le séjour des papes était un gain pour eux en termes de communication, en termes de, je veux dire, en termes de diplomatie, doivent déchanter. Ambongo a mis sur la place publique les difficultés de ce peuple qui souffre pour nouer les deux bouts du monde, et le pape a enchéri. Quelque part, dans l'extrait que je n'ai pas mis, le pape a dit « Prendre obstinément parti pour sa propre ethnie ou pour des intérêts particuliers, en y mettant des spirales de haine et de violence, tourne au détriment de tous. Il faut éviter de glisser dans le tribalisme et la confrontation. » Le tribalisme et la confrontation. Le tribalisme. Ce mode de gestion que M. Tshisekedi a mis en place. Le tribalisme, cheval de bataille et de travail de ce régime de jouisseurs. Je vous ai démontré ici, depuis que le Congo est Congo, jamais dans ce pays on a vécu une telle montée de tribalisme comme à l'époque de ce monsieur. Et je le répète en tirant une fois de plus l'alarme auprès de mes compatriotes et de mes frères Kassayens. Je vous ai dit ici, en criant et même en pleurant, j'ai dit, mes frères Kassayens, faisons attention à ce fils de la honte qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez en 4 ans, qu'est-ce qu'il a fait dans le Kassai? Zéro. Il va laisser le pouvoir. Il va laisser la Miba par terre, il va laisser la chute Katende inachevée. Il a menti qu'il allait faire les travaux Kananga, Kalambambouji. Ça n'a même pas fait un mètre. L'argent qu'il a sorti pour faire quelques deux, trois petits travaux dans le Kassai oriental, province de son père, il les a détournés encore. L'université, le ceci, le cela. Il est allé à Kabeya Kamwanga pour inaugurer un petit robinet. Est-ce qu'on doit vraiment détruire l'unité nationale en faveur d'un homme comme celui-ci? On doit détruire l'unité nationale en faveur d'un homme comme celui-ci. Kassayen, n'oubliez pas que chez nous, on dit ayez un homme fort chez vous, vous pouvez vous enorgueillir. Parce que quand il y aura un problème, le fort va se lever. Mais Tshilombo Banda Komi, lui, n'a fait que détourné, il n'a fait que des frappes, il n'a fait que des coups, et il n'a fait avancer la situation dans notre province en rien. En rien. Le Kassai, zéro, et ailleurs. Le pape vous parle du tribalisme. Et puis tribalisme, Angoyaye. Si tu veux être tribaliste, trouve quand même ceux de tes frères qui sont intelligents, qui peuvent apporter. Trouve ceux de tes frères qui sont compétents. Il faut positiver un peu ce tribalisme-là. Peut-être que tu peux être tribaliste, mais tu as des compétences. Dans ton tribalisme, le pays peut gagner parce que tes frères que tu es en train de promouvoir sont compétents. Mais au tribalisme, il y a des gens qui sont vivants dans la COP, qui sont vidiers, qui sont scellés, qui sont boukassa, que des frappeurs, que des coopérants. Que des frappeurs, que des coopérants. Ils se sont trompés, mes frères. Le séjour des papes s'est transformé en une sorte de traquenard. Et leur nudité a été mise sur la place publique. Mise sur la place publique. Basali, ba tribune, wana. Batché, ba tounassa, ba moi, batché. Bon, tout le monde, ba mbongo, combien, ba bimisi, pour na ba bloga, ba tribune, wana. Pour na ba tralala, ba sali, wana. Okoyoka. Comment ils ont frappé les trésors publics pour le séjour des papes? Allez leur poser la question. Bukoyoka.
kaka na séjour à papo combien ba kangu ba nani ba kuzo bambongo botu na bango ba frappe ba sali musala ya kusaka na te. Entre temps il y a certains fanatiques, quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, soi-disant il a confié la république entre les mains de Dieu. Botala nde ba komi kokumi sai a komi Dieu roi seul nani le au nom du père et du fils. Jason, on va d'abord voir aujourd'hui, non seulement qu'ils insultent les gens, mais ils ramènent encore le culte de la personnalité plus qu'à l'époque de Mobutu. Le culte de la personnalité rentre qu'on l'est quand même époque à Mobutu. Suivez comment on est en train de l'adorer. Total. Au nom du Père, Yashiti. Au nom du Père, Yashiti. Du Fils, Yafati. Du Fils, Yafati. Et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Les militants du parti au pouvoir ont surnommé Roi Soleil. Les Rois Soleil. Les Indoulocables. Lazare ressuscité. Lazare ressuscité. Au nom du Père, Yashiti. Au nom du Père, Yashiti. Du Fils, Yafati. Du Fils, Yafati. Et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Et du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Boyoki Yona, Roi Soleil, Lazare ressuscité. Lazare ressuscité. Indurukable. Mugwan tombolo. Na om susu, au nom du Père, ya Chichi, au nom du Fils, ya Fati, au nom du Saint-Esprit, au nom du Saint-Esprit, le peuple d'abord. C'est Wankenda. Wankenda, tata wana mukolo wana a se mukaki na nzambe, ba komisa okil tape. Yende ba otoko kanga ba tini na makal. Moninde nzamba punir Wankenda. Oyo mususu alobi, au nom du Père, ya Chichi. Héros, le basi bazongi, de la zombie, la chit champana, et ce que vous avez fait de l'eau, basi bazongi. Dans son coin, dans son village d'où il venait là, à cette raison, mais la chit champana, et l'eau que zate, zélé zate, ma zate. Ba maman, ba ketoka, ba maï, na ba boulou, na ma zi, ba maman, ya moutou, yazoua goloba, azoua goloba, sabsoua lobi, roi soleil, Lazare ressuscité. Indulukable, roi soleil en quoi? Une incompétence notoire installée au sommet de l'État. La République est devenue la risée de la planète. Le monde entier se moque de nous. Depuis que cet homme est arrivé au pouvoir, la République recule. Le roi soleil, le roi des frappes, il a installé un régime de copes, des frappeurs, des jouisseurs, des chécouleurs au sommet de l'État. Bon, l'État frappe, na frappe. Et ces gens qui n'ont aucun respect pour Dieu même, ils viennent roi soleil, frère. La visite du pape n'a pas été un gain pour le régime des jouisseurs. La visite du pape s'est révélée être un vrai traquenard, un vrai bourbier pour eux. Parce que leurs insuffisances, leurs limites et la situation catastrophique dans laquelle ils ont plongé la République ont été mises sur la place publique. N'oubliez pas, mes chers frères, notre problème commun, à l'heure où je vous parle, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Vous aimez votre pays? Vous voulez que la paix revienne dans votre pays? Commençons pour chasser ces Lazare ressuscités ici, qui a étalé son incompétence et son incapacité à diriger ce pays. Il n'est pas du tout à sa place. Voilà. 1h20. Moukounao na mouni ondira yazosa aketan kenda amoulaye. Et pourtant, na yela kiye lelo. Bolimbisa. Prenez votre mal en patience. On se retrouve demain. Merci à vous de nous avoir suivis parce que là, j'ai déjà fait 1h20. C'est trop. Tomolani lobby pour la numéro Moussous. En tout cas, merci Nabino Ndebo Landabiso. Kimi Anzambeza Nabino. Tosepel n'arrivait à Pape. Lobby to Okochelo Bamamba Mukuna. Bamukuna Baba to Oyo Nzamba Tika Bangokala. J'aime un ami à moi, Marcel Makoloko Tambola. Bino Batubo la Poto Boebie. C'est un grand ami à moi, Marcel. J'ai travaillé longtemps avec lui. Marcel a contacté ma moi politique. A tiki ki pasteur. Tant qu'on va sentir que Nzambe a likunate.
à Fukama Asenga, pardon. J'ai reçu Marcel sur mon plateau. Bandeko bolimbisa. Nzambe okelanga mawa. Nzela na kendage ya nzea malamute. Leo tokoloba Marcel azongi pasteur. Tala nenga zoko biki sabatu na kuna na province orientale. Tala ba campagne Marcel Makolo bino boyeba Marcel Makolo sana. Je l'ai vu faire une campagne na Burundi, na Bujumbura. Na moni asali campagne mon na place de la poste na Kisangani. Tala batu, tala ba miracle. Le loso ko meki ko betele mambo ya politique ayo bi faire tikanga na sa musala nzambe. Soka bengyo za toma mambo ka bi eh kola lingi yo ngabi papa. Kola pambola yo. Azongi mo tanzambe atiki mambo ya politique. Me ba muku na oyo. Ba la ta ba cravate à l'okuta ba col pastoral à l'okuta lokolo na chibola lokolo na politique lokolo na nani ou alors osa pasteur ou alors osa moso na kozongela e lula lo ya ba ni wana mo exemple ali Marcel Makoloko Tambol. Marcel était ici politicien, on le recevait dans nos plateaux politiques, mais Marcel Makolo quand il a vraiment senti que kolo na posa na e aya sengi ba pardon, sengi ba pardon, a soigné vina ya tiki makamon, yo na zo sambe, tala bangouye zo kitele mikolo. Marcel, mouton na nzambe, pasteur Makolo ko Tambola. En tout cas, yo pena lo sako, nzambazana yo. Nzambazana yo pena. Lobby. Tout koutan lobby to développer ma sujet, moussousou. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.